quoi comme instrument alors? C'est excellent. J'en ai un. Voilà, exactement, c'est le mot qu'il fallait. Franchement, est-ce que vous accrochez d'ananas avec votre sitar? 我真的希望我能够让更多的法国人学进学习东方的传统乐器。女生们、先生们，早安！今天有一个非常特别的任务，你们陪我去外面，我要演奏古筝。这个挑战让我非常的紧张，但是我觉得没关系啊，这样让我很兴奋。我怎么会决定自学古筝？我怎么会挑那种非常古老的乐器？我觉得今天先可以多让你们了解我。我妈说，我的儿子总是决定自学最不简单的东西啊。在法国有代驾经理，古筝的确不是一个人很熟悉的乐器。但是2013年爱上中华文化的我，有一件走火入魔了。台湾是传统文化存续的土地，所以我很开心我在台湾买得到古筝。我可以跟你们讲一下为什么我会喜欢学习古筝。我觉得今天越来越多的东方人，他们会宁愿学习西方的乐器，但是我觉得不行，所以这是我对这个现象的贡献，这是我的态度。而且古筝跟我所有学过的外语一样，都是我很难过的时候或是我失恋的时候开始自学的，因为那是一种恢复的方式。谢谢今天的小助理。Excusez-moi si je suis pas un esprit, c'est quand même assez volumineux votre truc là. Qu'est-ce que c'est? C'est une sitar de table chinoise. Sitar de table chinoise? Oui. On joue quoi avec ça? On joue surtout de la musique traditionnelle chinoise. Ah d'accord. Vous faites des arts martiaux? Non, mais c'est cassé des gueules quand même. Donc là, je vais jouer au Trocadéro et je vais filmer pour voir la réaction des Français. Et si je peux me permettre une question? Allez-y. Mais vous, vous êtes jeune. Oui. Pourquoi vous prenez un truc aussi vieux? Il y a des trucs beaucoup plus sympas et plus modernes. Mais oui, mais si tout le monde joue ce qu'il y a de moderne, monsieur, l'ancien disparaît. Et il n'y a plus de traces dans le présent. Vous ne trouvez pas ça dommage? Après. Ça surprend, voilà. Exactement, c'est le mot qu'il fallait. Franchement, est-ce que vous accrochez d'ananas avec votre sitar? 今天我来我们巴黎的 Trocadéro 演奏日本曲目 Sanbon Sakura。 我真的希望我能够让更多的法国人学进学习东方的传统乐器。西方跟东方的乐谱完全不一样，但是我觉得学习东方的系统是一个非常有趣的挑战。我在台湾只学了四个月的古筝而已，在法国因为要上课，所以很少有空练习。欢迎大家留言指教。开始。C'est chinois, ça s'appelle Guzheng. Ça a 2500 ans. On a une équipe de foot, mais vous êtes trop fort. Vous avez déjà vu ça avant ou pas? Non, jamais. Vous savez pas d'où ça vient? C'est pas une harpe. D'où ça veut dire? Antique, et Zheng, c'est la sitar. Ça veut dire la vieille sitar. C'est une sitar de table. It's like a zither. It's a table zither. Yeah, and you play with...I know the sitar, but I didn't know it's louder and... You speak Spanish?
Un poquito. Sí, podemos hablar en español. ¿Cómo se llama? Oh, dice un poquito y mira qué suelto lo dice. ¿Cómo se llama? El Cucho. Muchas gracias. El Cucho. Un piano carrément. Ouais. Et une guitare, un piano. Un mélange de guitare et de piano. Ouais, c'est chelou. Ça vient de quel pays selon vous? Écosse. Chine, Chine, Chine. Écosse. Qui a dit Écosse? Maman, il y a écrit. Cyril, tu trouves? Ouais. Tu veux essayer? Fais une musique. Le son, oui, le son, ouais, le son. T'as vu ça où avant? Traditionnel japonais, ça va coûter assez cher. 700 balles. Ouais, un chamisen, ça fait un peu. Un chamisen, ça te fait penser? Ouais, mais en vrai, c'est la première fois que quelqu'un nous sort le chamisen aujourd'hui. Donc, il a des origines chinoises aussi, le chamisen, tu savais. Du coup, vous parlez chinois aussi. À la base, vous étiez un vrai musicien, vous jouez de la guitare. J'ai fait du piano et de l'accordéon. Et d'accordéon. Toi, ça t'évoque quoi, toi? Une chanson japonaise. Déjà, il se rapproche plus que vous. Hein. Il veut faire quoi comme instrument, alors? Tu veux faire ça? C'est excellent. J'en ai un. Qu'est-ce que tu veux faire comme instrument, toi? Ah, les trois. Le pot? Ah, non, Kung Fu Panda, bah voilà. C'est deux chinois, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est exactement des petites musiques douces. Ouais. Ça s'appelle des plaques. Taïwan, non. On a fait la Chine, on a fait le Vietnam, le Cambodge. Ça vous dirait d'aller à Taïwan ou pas? Peut-être. C'est très sympa. C'est très sympa. Culture chinoise traditionnelle, bien préservée. Ouais. Et culture plus locale et même aborigène aussi. D'accord. À faire. 好，谢谢大家。今天把自己搞得很累。其实我蛮喜欢法国人的回馈，咱们好像都没看过那个古镇。如果你们喜欢这个影片的话。如果你们看到我的努力，欢迎订阅、分享这个影片，谢谢大家。